Rentre, papa. Ah, Judith, écoute-moi. Je ne veux pas te voir souffrir. Je sais déjà tout. Je sais que c'est à cause d'eux que tu as souffert. Tu es déjà intégré dans l'entreprise. Julien peut aussi vivre sa vie. Zoé et moi, on est avec toi. C'est bien comme ça. Tu en veux encore plus? Pourquoi tu dois encore les fréquenter? Papa, mais je ne les fréquente vraiment pas. Mais... je veux juste... avoir le mot final. Et en terminer. Oublie-les. Non. Fais comme s'ils n'existaient pas. Qu'ils vivent leur vie. Écoute-moi, n'y va pas. Ne va pas voir Charlotte. Allez, papa, ne te mêle pas de ça. Judith, même si... je suis incapable, et j'ai détruit notre famille, et je suis revenu sans rien apporter, je n'étais pas là quand tu en avais besoin. Je n'ai pas le droit de te dire ça. Mais c'est mon dernier vœu. Promets-moi. Papa, je sais. Je sais ce que tu penses. Et je ne te blâme pas pour ça. S'il faut blâmer, c'est Charlotte, elle t'a utilisé. Papa, ce n'est pas la peine de te sentir si coupable. Vraiment, c'est pas la peine. Désolé. Vraiment, désolé. Il n'y a plus de biscuits, on sent. Tu pleures ? C'est rien, c'est rien. Tu l'as maltraité ? Pourquoi tu le maltraites ? Non, non. Papa, regarde. Arrête ça. Si tu continues, maman va me gronder. Ah, oui, Flora. Ne la gronde pas. C'est... hein ? Bon, je suis en retard. Je vais au travail. Non. Si Charlotte disait tout un jour, elle nous détruirait. Papa, occupe-toi d'elle. Judith, Flora, tu veux manger des biscuits? Je vais t'en acheter. Attends-moi ici, hein? Tu dois m'attendre. Oublie-les, fais comme s'ils n'existaient pas, qu'ils vivent leur vie. Écoute-moi, n'y va pas, ne va pas voir Charlotte. Voyons qui a les preuves les plus explosives. Tu ne veux pas savoir la vérité? Sur la disparition de ton père? C'est moi. Rencontre-nous. Le docteur Lynn t'a tout dit, n'est-ce pas? Oui. Si je donnais les preuves au bureau, toi et Hugo êtes finis. Mais Charlotte, je t'envie. Tu restes de marbre et même hautaine, aucun regret. T'es vraiment forte. Pourquoi devrais-je regretter? Est-ce que toi, tu as des regrets?
Tu m'as fait venir ici, c'est pour me dire ça? Donc si tu n'as rien à me dire, je m'en vais. Mais en tant que vieille amie, je te préviens. Dès que je sors de ce café, je pourrai aller révéler ça. Tu peux y aller, mais tu dois d'abord voir ça. Je ne peux quand même pas tomber toute seule. Regarde donc. Tu penses encore que tout ça peut vraiment me faire peur? Ton père, Michel Lee, ne le penserait pas. En tant qu'ami, je te préviens. Tu peux y aller, mais tu devrais d'abord voir ça. Pourquoi elle ne répond pas? Non! Ne regarde pas! Charlotte, tu es vraiment une sorcière! Parfait. Ton père est là. Dans ce cas, on va pouvoir s'asseoir et discuter. Judith. Non, non, Judith. Judith, c'est... C'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Sors tout de suite. Sors. Je t'ai dit de sortir! Vous pouvez y aller, Michel. J'ai encore beaucoup de choses à dire à Judith. C'est bien aussi. Si ton père n'était pas venu, tu ne l'aurais pas cru. Tu fais des choses dégoûtantes. Comme si de rien n'était. Demande à ton père. Demande-lui pourquoi il a trahi sa femme et ses enfants et choisi ton ami. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux les preuves du docteur Lin. Tu voudrais échanger ça? Tu y crois vraiment? Je sais que tu aimes ta famille. Pour Julien, qui va se marier, pour ta maman sénile, et pour ta famille, tu peux faire ce sacrifice. C'est vrai, non? Est-ce que tu es humaine? Tu es terrible. Terrible. Comment tu peux me faire ça? Non. Je peux faire encore pire. Pour ma famille, je peux faire pire. Réfléchis-y bien avant de prendre la décision. Maintenant, ton père n'a plus d'argent ni d'honneur. Il est inutile, mais il est très important pour ta famille. J'espère que tu feras le bon choix. Oh!
Judith. Me touche pas. Tu peux me laisser seule un moment. Judith, je ne voulais pas te cacher ça. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis vraiment désolé. Arrête ça! Je ne sais pas comment je dois te voir. Lève-toi! Avec moi, ça te retombera toujours dessus. Monsieur Lin. Oh, par ici. Charles, désolé, je vous ai fait venir ici. Ce n'est rien, enfin. Je vous ai fait un café. Merci. Ça se passe bien ici? Oh, très bien. Il paraît que Madame Jo s'est donné du mal pour vous transférer ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Récemment, je surveille la situation de la coopération entre Best Buy et nous. J'ai découvert quelques failles. Hein? Oh, pas de panique. Grâce à Madame Jo et vous, c'est mieux que prévu. Mais mon père est toujours très prudent, vous savez. Que voulez-vous que je fasse? Je voudrais voir le brouillon du projet avec Best Buy. Aussi, je voudrais voir quelques documents. Si jamais ça ne vous dérange pas, vous pourriez me les montrer. Le brouillon? Oui. J'ai peur qu'on soit inquiet si ça se savait. Donc vous devez bien garder le secret pour moi. D'accord. Je vous en remercie. Oh, alors je m'en vais. Oui. Allô, Charlotte? C'est grave, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Lin m'a fait venir. Pourquoi Monsieur Lin voulait te voir? Qu'est-ce qui se passe? Sois plus clair. Je ne peux pas te le dire au bureau. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Monsieur Lin veut nous voir nos comptes rendus et le contrat. Comment ça? Monsieur Lin veut voir nos comptes rendus et le contrat. D'accord. J'arrive tout de suite. Ne lui donne rien. Attends-moi. Puisqu'on en est déjà là, le double contrat va être découvert tôt ou tard. On ne va pas pouvoir cacher pour Judith éternellement. Alors autant mettre tout en ordre et s'en aller le plus vite possible. Monsieur Jean, c'est Charlotte. Je voudrais savoir s'il y a des investissements potentiels dans les actions d'ADA. Charlotte, qu'est-ce que tu dis? Quelles actions? J'ai besoin d'argent. Et de beaucoup. Les investisseurs sont nombreux à vouloir des actions d'ADA Café. Mais c'est trop dangereux de vendre. Les actions maintenant, non? Si Monsieur Reuve veut être directeur général, il faudra sûrement des fonds. Mais il faut quand même bien y réfléchir. De ce que je vois, on ne peut plus se dire que Monsieur Reuve va être élu DG. Même si c'est dangereux, on doit essayer. Sinon, Thomas Lee ne nous laissera pas nous échapper. C'est vrai. ADA Café est en pleine guerre froide. Si Thomas Lin était élu DG,
Monsieur Re et toi, vous n'auriez plus de chance. Bien, Charlotte. J'accepte de t'aider. Combien tu comptes vendre ? Je vais vendre toutes les actions de Monsieur Re et moi. Toutes les vendre ? Tant qu'on réussit, c'est bon. Mais si on échoue, je me suis déjà faite à l'idée de démissionner. Bien. Je ferai de mon mieux. Merci beaucoup. Au plus vite. Monsieur Re ? Oui. La police a appelé. Ils veulent vous contacter. La police ? Oui. S'ils appellent encore, je ne suis pas là. Oh non, je suis sorti, en long déplacement. Si quelqu'un d'autre appelle, dis-le-moi. Oui. Hugo ? Allez ! Allez ! Officier ! Allez ! Monsieur Re ? Monsieur Re ? Monsieur Re, tout va bien ? Monsieur Re ? Hein ? Tout va bien ? Oh, c'est rien. C'est pour l'investissement à l'étranger. Je suis stressé. Monsieur Re, la police est là. Police ? Monsieur Re ? J'ai des questions à vous poser. Monsieur l'agent, je suis innocent. Croyez-moi, ne croyez pas à ce que dit Judith. Pas de panique. Je ne comprends pas ce que vous dites. À l'époque, je voulais juste qu'elle soit opérée. Et elle a été transférée. Je ne pensais pas que ça se passerait. Je ne pensais pas. Monsieur Hugo Re, vous vous trompez. Le témoin n'a pas vu que vous conduisiez ivre. Dans la caméra embarquée, il n'y a rien d'illégal. Pas de panique. Conduite ivre ? Caméra embarquée ? Je viens pour enquêter sur votre fuite d'hier après avoir abouti un arbre. Oh ! Oh, cette affaire ! Oh, venez, monsieur Jean, de café ! Par ici, je vous en prie. Merci, venez, merci. Asseyez-vous. Oh, je suis vraiment stressé par le travail. Je suis toujours sur les nerfs. Je me fais des films. Désolé, désolé. Oh, posez-moi toutes vos questions. Allô, bonjour. Oh, c'est Judith Lee ? Oui, c'est moi. Je suis Monsieur Jean, directeur de la compta à cette peine chasistique. Est-ce que je réponds trop tard ? Ah, mais non, mais non. C'est moi qui dérange. Je suis désolée. Nous avons beaucoup de clients. Et notre personne en charge est en congé. Donc nous n'avons pas pu répondre vite. Je vous ai déjà tout transféré tout à l'heure. Oh, d'accord. Je vais vérifier. Juste un instant. Oh, d'accord. Allô ? Je viens de voir un compte de remboursement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est une erreur de la part de votre compta. Ils nous ont fait rembourser sur ce compte. Et vous faites souvent des erreurs derrière moi. Est-ce que vous voulez nous faire profiter de votre succès ? Ça nous réjouit beaucoup. D'accord, je comprends. Merci beaucoup. Ah, de rien. Madame, bonjour. Je vous en prie. Judith, vous avez pu vérifier pour les grains ? Oui, on vérifie. Mais il faudra plus de temps que prévu. Maintenant, beaucoup de temps est passé. Et on en a beaucoup livré. Maintenant, on vérifie nos revendeurs un par un. Désolée. J'aurais dû vous le dire plus tôt. C'est rien. Maintenant, on le sait. On vérifie au plus vite. Ah oui, madame. Notre compta fait des erreurs de compte dernièrement. Est-ce que c'est bien ça ? Même les nouveaux de la compta ne font pas ce genre d'erreur. Vraiment ?
Alors s'il y a une telle erreur, est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau compte, non? Même s'il y a erreur, on ne sera pas puni. Pourquoi ouvrir un nouveau compte? Peu importe la somme, tant qu'on la récupère, pas de souci, pas de problème. Pourquoi? On dit que la compta a des problèmes? Non. Je voudrais juste confirmer tout cela. C'est sûr, il y a un problème. Allô? Bonjour, c'est bien le directeur de la compta de Pence, Monsieur Chen. Je suis Judith Lee de ADA. Est-ce que vous pourriez m'envoyer les détails de nos transactions? Oh, merci. On a un problème avec notre compta. Oui, merci à vous. Quand je te vois réagir, je me sens de nouveau méchante. Je ne veux pas te presser. Je veux que tu prennes vite une décision. Je m'en vais. Charles ? Oh, Charlotte. Apporte-moi tous les brouillons de contrat avec Best Buy. Aussi, toutes les copies de papier et numériques. Je veux tout. D'accord. Ah, hein? Oui. Si Monsieur Lin vient te les demander, dis que tu les prépares. Mais on ne peut pas trop le retarder. Modifie un peu les brouillons de contrat de All Weather Coffee et donne-les-lui. Oh. Oh. Quand il découvrira que c'est un faux, on aura fini. Qu'est-ce que tu attends? Oh. Maître Tsui, c'est Charlotte Jo. Si on veut vendre l'héritage de mon beau-père, il faudra combien de temps? Nous avons déjà discuté. Veuillez me faire une liste d'héritage au plus vite possible. D'accord, merci. Charlotte, voici les documents importants. Détruis-les ici. Oui. Ah oui. Tu les as fait sur ton ordinateur, ces documents? Oui, j'ai fait comme vous m'avez demandé. Pas de panique. Le CA est pour bientôt. Si Monsieur Reux devient directeur général, rien ne t'arrivera. Attends un peu. C'est bientôt fini. Pas de panique. Tout est dans mon plan. Judith, discutons un peu. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux pas te parler. Dis-moi, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que t'a donné le docteur Lin? Alors cette clé USB t'intéresse? Tu veux que je te dise? Non. Je veux juste te dire que le docteur Lin n'est pas fiable. C'est un menteur. Quoi qu'il t'ait donné, c'est sûrement faux. Ça n'a pas de valeur légale. Je sais juste que les vidéos du docteur Lin sont très claires. Il m'a donné toutes les vidéos quand j'ai été opérée à l'hôpital et que vous m'avez menti à l'époque, y compris tous les appels avec le docteur Lin. Quant à la valeur légale, la police décidera. Alors, quand est-ce que tu vas dire la vérité? Je le ferai quand je voudrai. Tu n'y peux rien. Va t'occuper de tes affaires. Judith, s'il te plaît. Charlotte est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Charlotte est enceinte. Comment ça?
Je veux dire que... Tout va bien pour toi, non? Regarde, tu as Zoé et ton super Thomas. Tu es plus heureuse que quand tu étais avec moi. Tu fais aussi bien ton travail. Si Thomas veut t'aider, tu peux faire vivre ta famille et sans problème. Et peut-être que tu seras la femme du PDG du groupe Marou. Tais-toi! N'entame pas de poursuite, d'accord? Je suis quand même le père de Zoé. Charlotte est enceinte. Si tu me chasses de l'entreprise, ça t'apporte quoi? Salaud! Espèce de salaud! Judith, ne va pas trop loin. Tu crois que j'ai peur de toi? Ne te prends pas pour la reine avec tes soi-disant preuves. Lâche-moi! Lâche-moi! Hugoreux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sauves la princesse, hein? Monsieur Lin, vous êtes vraiment obstiné. Il y a tant de femmes sur Terre. Et vous devez vous amouracher de mon ex-femme? C'est bon, Thomas, stop! C'est bon. On est au bureau. Ne t'en prends pas à lui. Suis-moi. On dirait qu'à cause d'Hugo, l'entreprise va à volo. Alors, ça veut dire que le problème entre Hugo et Judith n'est pas encore réglé. Avant, vu que Thomas l'appréciait beaucoup et qu'elle m'avait l'air de quelqu'un de bien, j'ai donc accepté. Mais on dirait que je ne peux pas rester tranquille. Qu'est-ce qu'Hugo veut faire? Qu'est-ce qu'il veut te faire? C'est rien. T'en occupe pas. Il te fait ça, tu te retiens? Thomas... Je vais vraiment m'énerver cette fois. T'es idiote? Bah oui! Combien de fois tu vas te faire maltraiter, hein? Idiote, combien de fois encore? La clé USB. Thomas... Donne-la-moi. Si tu ne le fais pas, je le fais. Ne pense pas qu'ADA Café fera faillite sans eux. Même si c'est le cas, eh bien tant pis. Arrête ça. Je me sens mal aussi. Judith, tu dois toujours faire ces choix difficiles. C'est pour tout ça que tu allais voir le docteur Lin toutes les semaines. C'est pour ça que tu allais partout chercher des preuves par tous les moyens. Je ne sais pas pourquoi tout se finit comme ça. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas d'autre choix qu'abandonner. J'ai voulu tout dire tant de fois. Tout révéler. Révéler les preuves au public. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas si ce que je fais est juste. Mais je sais que si je me retiens, tout le monde sera tranquille. Mais je ne peux pas. C'est bon. Ne te retiens pas. Je t'en supplie. Ne te fais pas de mal. Il y a des choses que tu ne sais pas. J'y vais. Président, vous partez en voyage? Non. Je vais chercher quelque chose. Il vous faut tant de vêtements? Oh là, c'est bon. Tu peux juste ranger. Hé, Martha. Oui. Écoute, pendant mon absence, occupe-toi bien de ma chambre. Je serai vite de retour. Oui. Hé, Martha. Va me chercher mes médicaments. Mais vous ne les prenez plus, non? Oh là, allez, allez, je veux tout. Hein? Allez, vite, 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 oui, oui. Vite. Léna?
tu veux vivre, tu remets ça à sa place. Oh là, maman, tu es près une femme enceinte. Hein? Enceinte, tu dois être gentille. Pourquoi tu voles mes affaires? Je vole quoi? Oh, ma petite, tu as de l'œil. Est-ce que tu sais comme il est cher, ce miel? Tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. C'est bien pour cette raison que je voulais le voler. Sinon, pourquoi voler? Oh, tu avoues? Chérie! Chérie! J'arrive, j'arrive. I'm coming, coming. Chérie, à l'instant, j'ai attrapé un chat voleur. Elle va manger chez sa belle-mère et elle vole dans notre frigo. Léna? Tu vas de pire en pire, hein? Tu voles? Si tu voles, va voler en pleine nuit. Tu fais ça en plein jour. Tu veux te faire prendre? Mais qu'est-ce que tu dis? Léna, va remettre ça à sa place. Maman, je dois me faire bien voir chez Julien. Tu dois faire tes efforts toi-même. Tu ne peux pas prendre les affaires des autres pour offrir. Tu n'es pas quelqu'un d'autre, tu es ma mère. Chérie, tu ne travailles pas? Pourquoi tu t'es habillée? Oh, je vais voir un client. Aujourd'hui, Léna va chez sa belle famille et tu t'en vas. Il ne reste que moi à la maison. Oh là, je ferai vite. Marie, jolie. Oui. Il n'y a que dans ces moments que tu es doux. Chérie, où est-ce que tu vas voir ton client? Je mange avec lui. Tu portes ça pour manger? Ce Julien alors, qu'est-ce qu'il fait? Julien, allez. Menteur. Fou. Regarde. Zoé, Flora. Zoé, regarde. Thomas et maman ont acheté plein de choses. Thomas, maman, c'est une fête aujourd'hui? Ouah, mamie, viens vite voir le poisson. Et tout à l'heure, tonton et tati vont venir manger. Je t'ai acheté aussi un petit gâteau. C'est vrai? Merci Thomas. Mamie, aujourd'hui tonton et tati vont venir. C'est qui tonton et tati? Ouais. Bonjour Michel. Tu es là? Tu as acheté beaucoup. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'ai dit, donne-moi ça. C'est bon, je le prends. Michel, c'est rien. Je vais aider. Oh là là, je te l'ai dit, je suis très occupée. Je dois faire beaucoup de papiers, donc je n'ai pas le temps. Oui, oui, voilà. Quand j'aurai fait mes papiers, je déménage, d'accord? C'est juste 15 jours. D'accord. On fait comme ça. Oh, qu'il est pressé. Eh, j'arrive. Eh, entrez s'il vous plaît. Monsieur Liu, entrez. Eh, qu'est-ce que vous faites là tout seul? Eh, Georges. Eh, Georges, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit, si tu ne viens pas, je viens moi-même. Je te l'ai dit, non? Je suis occupée pour faire mes papiers. En plus, venir chez une femme... C'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas un inconnu, pas vrai? Hey, monsieur Liu, c'est bon, je m'en occuperai. Allez-y.
Bien, président, je m'en vais alors. Oh là, regarde. Moi, Georges Lee, le président directeur général du groupe Marou, pour toi, je viens habiter dans un petit appartement. Ah, bon, d'accord. Rentre chez toi, alors. Eh, mais je veux bien. Je suis volontaire. Bon, ne reste pas là. Viens t'asseoir à côté de moi. Allez, viens. Georges, laisse-moi réfléchir. J'emménagerai chez toi, d'accord? Oh là, tu ne fais que réfléchir. Tu réfléchis jusqu'à quand? Je suis pressé. Je... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive plus à respirer. Comment ça, tu ne respires plus? Comment faire? Dis-moi comment faire. Les médicaments. Oh là, pourquoi tu en attends? C'est lesquels médicaments? Tu es si malade que ça? Tu en attends? J'ai aucun. Oh là, je les ai oubliés. Oubliés? Comment faire? Non, mon téléphone. Je fais le 18. Non. Prends-moi. Tape-moi le dos. Dans mes bras? Comme ça. Comme ça? Et je tapote? Oui. C'est bon comme ça? Oui. Ça va un peu mieux? Oui. Ça peut me sauver, là. Un peu plus continue. Fort. Continue. Oui, oui, allez, allez. Ça va mieux? Un peu. Vraiment? Un peu, oui. Oh là. Ça va je mieux. Regarde. Ça va mieux. Fais-moi voir. Ça va vraiment mieux? Je t'ordonne de rentrer chez toi. Si jamais ça va encore mal, comment je fais, moi? Mais je ne peux pas te quitter. Oh là. D'accord. Je te promets que je déménage chez toi. Hein? C'est promis? Si tu avais accepté avant, tu vois. La semaine prochaine, une fois les papiers finis. Oh là, je m'en fiche. Fais au plus vite. Vite. Hein? Eh? Tu vas mieux? Tu me fais marcher. T'es trop méchant. Pourquoi tu me mens? T'es mauvais, toi. Oui. Je vais te taper, je vais te taper. Judith, comme je suis gênée de tant te faire cuisiner, alors que c'est le week-end, je suis vraiment gênée. Ne sois pas gênée. Je mange rarement ce que fait Judith. C'est du bon travail. Ça fait longtemps que je ne cuisine plus. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. Oui. C'est bon. Là, tout le monde ensemble. C'est une réunion de famille aujourd'hui. Eh. Et puis lui aussi. Alors, je vais être grande cousine? Oui. Là, mange des légumes. Thomas, quand est-ce que vous vous marierez? Si Judith le veut, je peux la ramener chez moi demain. C'est vrai? Judith? Oh, mais non. Il faut demander l'avis de mes beaux-parents. Michel, oui. Si vous avez le temps, vous pouvez préparer un peu Judith. Bien. Tiens, goûte. Maman, le tofu, tu aimes ça? Goûte. C'est bon. Flora. Donne. Hein? Maman, je t'essuie la bouche. Alors, tu aimes ce que je cuisine? Oui. Allez, mange plus. Là. Julien, Léna. Je ne vous ai pas encore félicité. Là, on boit un verre. Oui. Allez, tous ensemble. On boit tous ensemble. Oui. Ensemble. Santé. Du raisin. Prends du raisin. Laurent dit qu'on doit trouver un moment pour se voir. Parce qu'avant que le ventre de Léna ne grossisse, on doit organiser un beau mariage. Vu notre situation familiale, on ne vous fait pas honneur. Papa, nous sommes désolés. Ah oui, une petite attention. On vous a commandé un costume. Julia? Oh,
C'est cher, ça, non? Julien l'a payé avec son salaire. Il se sent gêné de vous l'offrir. Papa. Fiston, merci. Papa, ce costume ne vaut pas ce que tu portais dans le passé, c'est vrai. Mais c'est un cadeau de notre part. Parle. Ne dis pas ça. Je n'ose pas te faire face. Et toi, tu m'acceptes quand même. Je te suis très reconnaissant, Julien. Vite, donne-le à Bobby. Michel, j'ai aussi un cadeau pour vous. Un petit quelque chose. Thomas, ne dépense plus pour moi. Tu peux juste bien prendre soin de Judith, hein? C'est normal. Judith? Judith? C'est rien. Je vais aller la voir. Allez, va à mamie. Hein? C'est rien. Oh là, il fait bien beau. Ah. Judith. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je sais qu'il y a quelque chose. Dis-moi. Tout va bien. Je suis juste très émue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis comme ça. Mais alors avec ton père? Oh, c'est parce qu'on s'était un peu disputé. Ce sont mes problèmes. J'ai pas réfléchi. Ne t'inquiète pas. C'est vrai? Oui. Tu sais, des fois, moi aussi j'ai mes humeurs. Mais je ne t'ai jamais vue si impulsive. C'est bon, n'en parlons plus. Rentrons. Ne les faisons pas attendre. S'il y avait quelque chose, tu dois me le dire. Hein? Thank you.